Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur HOI4 pour la suite du Let's Play avec l'Union Soviétique. Pff, 900 jours pour décrypter la Pologne. On va plutôt décrypter le code allemand. Voilà. Ça avance pas vite, les gars, là. Il y a le fascisme qui est réapparu. Ça habite le boss, c'est pas trop grave, de toute façon, honnêtement. On a purgé les officiers. Ouais, 4 ans pour que ça se remette, mais bon, au moins. Ça, voilà, elle serait intéressante. Et celui-là aussi. On va proposer à la Pologne une alliance, c'est vrai, si elle est suffisamment docile. Après, perdre quand même 280 jours pour faire tout ça, c'est. Et encore 210 jours. Ouf. On perd pas mal de temps. L'arme soviétique, je pense que cette arme gagnerait à retravailler. Ah, nouveau blindé. Allez, on va lancer amélioration du réseau ferroviaire. On va lancer très vite la diplomatie antifasciste. Donc ici, on va développer plus de industrie. Et là, ben, on va jouer les chasseurs. Bon, les tactiques. C'est du. J'aime bien ouvrir les tactiques quand même. T26, on va le remplacer par les BT7. Alors, on voit que c'est plutôt du côté des fascistes, ces crains là. Envoyer deux divisions. Oh, on va laisser s'écrouler. Si jamais revient une monarchie après tout, hein. Je recrute un agent. Alors lui, c'est un lord doux qui était retourné, d'accord, mais méfions-nous quand même. Lui me fait pas. Me fait. Oh, on prend une petite vieille là. Par contre, Perseus et Farwell, franchement.
Réseau de renseignement à Berlin. On fait du renseignement. Les black shirts au Royaume-Uni. Ok, donc les militants fascistes et chemises noires d'Oswald Mosley. Ouh, ça monte, hein. Il n'y a toujours pas fait le choix entre. Bah, si, black shirts, c'est là. Hein. C'est-à-dire que qui c'est le roi, c'est Georges VI. Ok, on a eu des questions d'Edouard. Oh, ils doivent limiter un navire capitaux en taille. Quelle tristesse. Mackensen avec sa tête de mort là. Il me fait bien plaisir lui. Avec un peu de chance, Mussolini sera isolé. On aura des alliés, des fascistes, des aligné. Avec un peu de chance. Une division de l'Europe, non, en une, deux, trois, quatre factions différentes, ça pourrait être bien mieux que juste trois, voire deux. La stabilité élevée, ça, il faut que les gens se bougent les fions, c'est tout. Bon, nous on va faire les vols transpolaires. Voilà, les plus courageux pilotes normalement. Ok, les descriptions. Des routes au-dessus de l'Arctique sont possibles. Bon, de nouveaux officiers loyaux émergent. Bonne nouvelle! J'ai pas les grandes pluies aussi comme événement là qui apparaît. Bon. Qu'est-ce qu'on veut prendre comme conseiller? Non. Quand on a des infrastructures, des usines, ça peut être plaisant. Cognac fait balèze hein, pour ça. Mais c'est ce qui est pas dégueulasse aussi hein. Dommage que ces gens-là ont été purgés. Enfin bon, fallait ça pour sauver le pays. Donc, nous. Tonne de ressources, par contre, l'acier, ça, j'en dégueule. Personne qui veut m'acheter de l'acier? D'ailleurs, y a pas des divisions qui foutent rien. Tous les niveaux 2 ils sont entraînés.
En combien de temps ils entraînaient ces gens-là? L'entraînement, j'espère que ça bousille pas les. Joukov, expert de l'hiver, je te prends ça clairement. Est-ce qu'on peut améliorer un petit peu les autres? Coulik, coulik. Une offensive. Ce sera un offensif, lui. Écoute, c'est neuf, toi. Est-ce un escarmouche? Oui. T'es ton trait, Joukov, toi. On va prendre une potion de recherche ici, donc ce sera pour ben, les machines outils améliorées, tout simplement. Joukov, est-ce qu'il y a pas autre chose qu'on peut lui développer d'autre? Non, pour l'instant. C'est juste qu'il peut déjà avoir un nouveau trait. Donc. On va s'occuper de la marine de haute mer. Ouais, la stabilité remonte pas. Bon, en tout cas, on est 100% communiste. J'aimerais savoir quand est-ce que le complot va se virer là. Bon, il semble que. Ouf, Berlin a été prise. Ouais, Hitler est mort, c'est Himmler qui a pris le pouvoir. Ah ben. C'était le petit bourgeois coincé celui-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Nouveau bombardier, on va prendre les bombardiers tactiques. Les SB2M. Je peux le mettre tous obsolètes, non? Ah! Conseil régional de défense de l'Aragon. Oh. Les anarchistes espagnols. Oh, la guerre civile espagnole qui vire en chaos total. Donc là, un se concentrer. Pour avoir plus de production et on va prendre est-ce que je pourrais pas je prendre les roches les centrales là non les radars les tours radars et après on prendra les cuves de pétrole. Oh, regardez-moi ça. Non, c'est horrible pour les oh, putain. Les communistes anarchistes. Bon, la guerre civile finit dans le Reich allemand. Hitler est mort. Espérons que le nouveau régime sera plus accommodant. Bon. Toi, tu fous rien, allez. Décrypte-moi le réseau, Teuton. Usine civile, non, on va pas non plus trop les utiliser, les usines civiles. Il faut absolument qu'on développe notre propre industrie, nous de notre côté. Et après qu'on mette du radar. Pour détecter tout ce qui est avion, flotte nuit. Disons pas affecté. La connaisse, tu vas t'occuper de ça déjà. Parce que je veux une troupe ici à Kakingol. Ils sont nombreux les japonais. Hein. La Corée.
Pourtant, le Japon, c'est bizarre. Regardez, il n'y a pas encore de. Le choix inconcevable. Bon, les Jeux Olympiques sont terminés. Il y a un quartier non dévasté ou récemment reconstruit. Bon. Le choix inconcevable, c'est-à-dire qu'ils ont fait. Ok. Et on vient en communisme. Et voilà. Donc, on va voir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à fonder le NKOP. La plus populaire du Japon est déchirée par une guerre civile. Il lui fait une offre. En échange du sud de Sakhaline, il demande aide militaire. Eh bien, acceptons. On a récupéré donc le sud de Sakhaline. Merci cadeau. On n'a pas récupéré le courrier, bon, c'est pas trop grave. Putain, qui a celui-là? Oh, par contre, l'empereur là commence à virer. Mais c'est-à-dire que ils sont capables donc de. Ils vont pas la Corée leur influence en Chine, quoi. Putain, c'est la Chine des Kings. Bah oui, c'est-à-dire ils se sont dit en mode non. On va rester en mode. On pacifie les campagnes et après bah, on va plutôt s'affirmer. Hein. Ils seraient bien cons de pas le faire. Hein. Bon, vous. Voilà, allez aider. Par ici. J'ai pas assez de. Comment faire pour. T'as eu Hindenburg, donc. Pourcent, attendez, bougez pas. Tu vas aller simplement te mettre. Toi, tu vas aller juste ici en mode garnison dans la zone. Voilà. Oh, c'est pas nationaliste, oh là là. Les carlistes espagnols de Manuel Falcondé. Mais mon dieu, mais regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là. Il y a l'Espagne carliste, l'Espagne nationaliste. Par contre, les pauvres carlistes là. L'avantage, c'est de commencer ici, comme ça, vous savez qu'il y a que les. Ceux ici qui sont là contre vous. Comme ça, vous n'avez rien dans votre dos. Alors que là, bah, vous avez trois fronts. Oh là là, c'est dégueulasse. Bon. On va prendre comme général. Un spécialiste du camouflage, Konief. Il est très bon. Et là, ben. Bah. On a eu le contrôle local, force police locale, pour essayer de les calmer un peu les mecs. %. Résistance 10%, 11%, ça monte trop la résistance. Allez, et on va ici rechercher. On est en 37.
Qu'est-ce qu'on va chercher? Les doctrines, non, on va attendre ça d'avoir fait une réforme, l'artillerie. J'aurais dû blinder plutôt là-bas. Quoi, ça, j'écris pas de code. Lui, s'en fout, il est pas en train de décrypter là-bas? Mais non, c'est vrai, j'écris pas de code directement. Allez, on va faire la défense passive encore. Et on va décrypter le code de la junte militaire allemande. Assurant qu'il n'y ait pas encore de coup d'État. Affirmer l'État nouveau. On va être sur soit l'Empire, soit les élections libres. Ah, dandy contre garantie. Qu'on peut faire, on dit qu'on est garanti qu'on est ici. Le Portugal maximaliste. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Oh là là, mais regardez-moi ça. Salazar contre les gogo. Oh, mais Goncalves, ça. Oh mon dieu, il a une tête de gauchia celui-là. Oh, elle est une bonne, hein. Ouf. Bon, en tout cas, ici, enfin, on surveille tout ce bazar là. Apparemment, la résistance s'abaisse. Bon, bah, si la résistance baisse, c'est tant mieux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a les radars. On va donc développer 38, c'est beaucoup trop tôt. On va développer, ça c'est trop tôt, c'est trop tôt. Une nouvelle cuve parce qu'il faut que je stocke du carburant, moi. On va en stocker du carburant, je vous l'assurer. Construction. Attends, c'est que ça coûte combien? Ça coûte 10 800, ça coûte 2 500, et ça coûte 3 375. Ça coûte beaucoup moins cher que les usines aussi, hein, on va pas se mentir. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. L'épisode a déjà duré assez longtemps. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut tout le monde!